Bonjour mes petits lapins, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière, tout simplement parce que vous n'allez pas entendre les autres parler. Et oui, et j'ai fait une grosse boulette dans mes réglages volume vocal. Du coup, bah vous allez m'entendre parler dans le jeu, mais vous n'allez pas les autres parler. C'est un petit peu dommage, je veux pas non plus à la fois perdre la vidéo, donc je la garde quand même. J'espère qu'elle va vous plaire. Que vous allez arriver à comprendre. Sinon, vous faites travailler votre imagination de ce que eux peuvent me dire. Voilà, ça sera un exercice. Hein. Et voilà. Donc la vidéo, le thème, c'est vous allez voir que le sergent Macadam et le cadet Rodriguez passent des examens pour gagner, pour passer à un échelon supplémentaire. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère vous voir bientôt sur le serveur Eternity RP. Ciao, 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 ciao. Hello? Where are you? You're what? Missing it! Get down here right now! Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry up! Aux effectifs de TK, bonjour à vous, prise de service de TK. Bonjour TK. Bonjour TK. Car j'ai demandé à Fred quand il était sur mon live tout à l'heure, il m'a dit où. Eh bah, problème. Y a pas une formation à 15h? Bah, si. Elle arrive tout juste, la commissaire. Elle arrive tout juste. Ouais, un effectif présent pour TK demande de venir me chercher. C'est tout, TK. Je vous dis ça exactement. Yep, yep, Fredo. Secteur banque numéro 5. Moi aussi j'arrive, TK. C'est bien pris, merci. Donc là, vous allez assister à des épreuves, des épreuves d'échelon. Là, j'ai vu avec des retraités. Premier échelon sergent et cadet, premier échelon. Je ne sais pas du tout, Aurel. Je ne sais pas quel est le programme, qu'est-ce qu'on doit faire, et la commissaire à la preuve de nous. Je sais pas si vous l'entendez au live, mais j'ai tout le temps un bip là, bip bip, et ça me saoule. Bip.
Bien, please, bien. Merci vous, madame la commissaire. Hop, c'est parti, madame la commissaire. Le jeu il est vachement par rapport. Quoi de neuf aujourd'hui, commissaire? D'accord, pas de soucis, excusez-moi, j'étais en train de régler mon volume, mais ouais, pas de problème comme ça. Bon, comme on avait ce soir, ça va être calme. Ah, merci. Ah bien, parfait alors. Je vous dis, madame la commissaire, vous avez embauché les meilleurs sergents. Oui, ça je ne savais pas, mais à partir de maintenant, ouais, je ferai mon maximum pour immobiliser le véhicule en premier lieu. D'accord, pas de soucis. Oula. Du jeu il est un peu trop fort. Quand du jeu est fort, le commissaire on l'entend pas. Tu fais la formation pour devenir quoi comme grade? Bah sergent niveau 1. Je sais plus, je t'ai répondu mon Fredo, mais bisous bisous il y a mon Fredo.
Ok. On va voir ça, madame la commissaire. Bah ouais, parce que là il va en louper un deuxième là. Oui, tout à fait. Oh, il se rattrapera. Golf 4 pour Golf 3. Oui, j'écoute. À votre position. Je suis devant le garage. Je suppose qu'il faut le faire venir comme ça. Le garage civil. Et Montana Group, d'accord. Golf 4, vous venez au commissariat, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Répertoire, non. Retour, panneur. Je ne sais pas du tout, Rez, je ne sais pas du tout ce qu'elle a prévu, la commissaire. Donc, je ne peux pas te dire oui, te dire non, bah, de toute façon, si tu veux venir, tu viens. Mais après, si tu fais partie de l'information, Sound muted. Ok, fiche. Ah, c'est mon TF qui... Oh, il a eu. Bonjour Calais. Oh. Oui, ça va, merci vous. Bon, vous êtes prêts pour les épreuves. Ah bah, on aura le même. N'inquiétez pas. Ce sera le même véhicule, donc vous inquiétez pas. S'il y a une épreuve de conduite, ce sera le même véhicule, de toute manière. Alors, rien à signaler en patrouille, là. Ok.
Ça marche, madame la commissaire. Bonjour, Rames. Allez, c'est parti. Je les convois. On va neiger. Je sens qu'il va y avoir une épreuve de neige. Ça marche, même comme ça. Je m'absente aussi 2 secondes. Je suis de retour, excusez-moi. Voilà, Cadet, on se met devant Cadet maintenant.
Allez, pour des temps de la chemin de fer, je serai. Je sais pas. Ça marche. Heureusement. Je crains la suite des épreuves, commissaire. Alors ça va nous maintenir en forme tout ça. D'accord. Peut-être qu'en même temps on découvre. Chose. Migo, can you find me on my your stream? Yes, later. Merci. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Enfin.
C'est bien compris pour ma part. Parfait. Allez, je vais commencer. Alors, au cas où, madame la commissaire, j'ai juste ma vitre qui a été explosée tout à l'heure. C'était une mauvaise manip de ma part. Non, non, Laura, il y a juste ma vitre qui est endommagée. Comme ça. Et reçu. Comme ça. Bon, j'espère que ça s'est pas trop mal passé. Je pense que j'ai fait un bon parcours. Oui, impeccable, impeccable. Et vous, Rames, comment ça va? Nickel. Ah, il veut venir quand même. Ah, d'accord.
Ramesh, je peux vous demander un petit service? Oui, impeccable. Ouais, parcours, nickel. J'ai appréhendé un petit peu parce que voilà, il y a l'épreuve de conduite, l'épreuve de course à pied. Ouais. Bah, j'espère surtout que le cadet va se planter, oui. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait, oui. Bah, j'espère que ça a été. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on se sort pas du même véhicule. Je pense pas que ça change de grand chose, mais. Je sais pas, ouais, c'est pas bien. Ça m'est égal, c'est pas un problème. Ouais, j'aimerais bien voir. Ah ouais, si juste pour me réparer ma vitre, j'ai fait une mauvaise manip tout à l'heure, j'ai appuyé trop fort sur le bouton et du coup ma vitre s'est éclatée. Enfin, j'ai appuyé sur le bouton. Je vais quand même donner un petit pourboire au Rames. Merci. Ah, il se débrouille bien le cadet, il se débrouille bien. Ah, ça m'arrange. D'accord, j'ai pas entendu. Bon, ça marche les affaires, Rames. Ah, impeccable alors. Et du coup, vous recevez les appels des civils? Ouais, ah, c'est bien ça. Monsieur. Ouais, faut le temps que Los Santos se fasse connaître et va venir. Ne t'inquiète pas, avec les GoPro, ça devrait le faire. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Ah oui, là il y a eu pas mal d'arrivées, pas forcément très, on va dire ça comme ça, mais pas très catholique. Et ouais, ça a été. D'accord. Et ce même soir-là? Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup ils prenaient les, enfin j'ai vu les dépanneuses tourner en ville, il y avait nos voitures de fonction qui ont été pris par les clandestins, enfin voilà, un peu le boxon. Non non non, mais vous inquiétez pas, j'avais pas de soucis, Rames. Ouais, ça a été ce soir-là, ça a été très compliqué. Bah du coup il y a eu deux clandestins qui ont été tués ce soir-là, donc bah ouais. Hein. Ah, c'est clair, tout à fait. Bon, sinon vos nouveaux véhicules là, ça va, ils marchent bien ceux-là. D'accord.
D'accord. Et vous pensez l'avoir quand à peu près votre camion? D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va nager. Regardez, vous avez pris votre bouillon canard. Maintenir à la surface. Si ça va pas, je prendrai le gilet à ramettre, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, ça me dérange pas, ramettre ça. Pas que vous me faites pas être bouche à bouche après. D'accord. Bon, ça écoute de la musique assez fort par ici. Cadet, vous repérez l'adresse là pour la contrôler et le logement là à gauche là. C'est un peu fort. Calais, regardez bien dans votre deuxième poche, Calais. Si je peux me permettre, madame la commissaire, je vais l'aider. Ah oui, je l'avais, oui. Mais Calais, il faut que quand vous êtes sur l'arme de poing, pensez très très fort à la touche tabulation en même temps. Non, excusez-moi Calais, non, il faut que vous soyez sur l'arme de poing, et quand vous êtes sur l'arme de poing, en restant appuyé sur la touche tabulation, vous faites la roulette de la souris. Effectivement, c'est bizarre parce que je l'avais en tant que Calais. Alors vous avez oublié de prendre vos armes, Calais. Vous avez oublié de prendre vos armes.
Là, à mon avis, vous avez. Je pense, ouais. Ah, il gagne pas de points là. Bien sûr, ça marche. Salut Pilou Gamer. Golf 4, vous m'attendez à votre véhicule, hein. Je sais pas si vous avez entendu. Ok, merci. Bravo, cadet. Vous n'allez pas gagner des points, hein, cadet. Je suis d'où? Je suis de la région centre. Serveur, c'est Eternity RP. Eternity RP, si tu veux entrer. Ils l'ont fermé depuis cette semaine. Donc du coup, pour entrer par candidature. Donc si tu veux connaître le Discord ainsi que le forum, tu tapes la ligne de commande. Alors exclamation Discord pour avoir l'adresse du Discord. Et si tu veux avoir l'adresse du forum, tu fais exclamation Eternity. C'est E-T-E-R-N-I-T-I. Comme dans le titre de mon live. Et là, vous l'avez, calé. Allez, c'est reparti. Alors, c'est un serveur qui est en développement encore. Donc, il y a tout ce qu'il faut de base. Et il y aura beaucoup de choses après par la suite. Vas-tu faire un kidnapping pour réclamer une rançon? Bah pas vraiment parce que je suis sergent. Donc je me vois mal faire un kidnapping en tant que sergent, mon petit. Là c'est, ça serait un comble.
Reçu. Ah oui, tu peux dealer, Pilou. Donc, tenez-vous prêt, détectif. Prêt. À mon feu, vous commencerez. Attention, position, feu. Bien joué, calé. Tenez-vous prêt. Arme à l'étui. Feu. Tenez-vous prêt. Si le cadet gagne cette manche, il a remporté la partie. Si le sergent gagne, ça fait une égalité. Tenez-vous prêt. Feu. Eh ben. C'est bien pris, égalité. Oui, c'est l'air en fait. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, pour donner plus de challenge à votre position de grade et cadet sergent, nous en resterons sur une égalité. Ok. Ok. Merci. À mon contact effectif. Ça pue. Merci, comme ça. Et vous, Ramé, ça vous dit un coup de taser? je vous confirme, ça pique. Ça marche. Dites-moi, Ramet, vous avez pensé à mon véhicule, au fait? Non, pour mon véhicule perso. Non, c'est, vous savez, du fait que je l'avais acheté, il était bah, au commissariat, et quand j'ai eu une petite... en fait, je me suis endormi, quoi, donc... apparemment, il serait à la fourrière. Salut, Tommy! La chargeur. Oh non, je pense que c'est à vous. Oh, je sais plus. Oh, vous mettez un doute, Ramesh. Ouais, pas de soucis. Comment ça va, Tommy? J'en ai parlé quand... Je sais plus si c'était hier ou avant-hier.
Faut que je regarde. Parce que je suis allé voir tout à l'heure, j'ai pas retrouvé mon véhicule, mais c'est pas grave. Hein. Je hais le GTA RP, mais je vais quand même te regarder. Ah bah c'est gentil. Ça marche, commissaire. Et ça va trop bien. Bah en fait, GTA RP, bah ça dépend sur quoi tu tombes. Hein. Si tu tombes sur des gars qui jouent vraiment le jeu RP, le jeu à fond, comme si tu étais dans la vraie vie. Il y en a qui dit qu'ils jouent RP alors qu'ils font que du... Mais que du terme, mais que de la merde. Les véhicules, ça va enfoncer tout le monde, ça va renverser tout le monde, ça va niquer la bagnole, enfin voilà. Ah tu vois, par exemple, je suis en train de passer une épreuve. Là, je suis sergent et il faut que je passe à un niveau 2 pour récupérer le deuxième échelon. Je vous écoute, commissaire. Comment? Oui. D'accord. À la vôtre. Est-ce que je bois un petit coup d'eau aussi? T'es en week-end, t'es en vacances, Tommy? Moins 20, je crois que c'est moins, c'est un point de retrait de permis. Il n'a pas mis ses phares, et bah écoutez, on l'arrête et on lui verbalise. Alors je, là par contre, j'ai un doute sur un montant, je sais plus si c'était 45 ou 90 dollars d'amende pour avoir, pour non, non mise en route de ces feux. Avec un autre terme, mais. Ouais, je pense que c'est tout. Là, j'ai un doute. Ouais. Ouh là, là ça doit être le maximum en tron sens. J'hésite entre deux. Il y aurait bien un bon moins 4 points. Bien sûr, ça marche. Merci, commissaire. M'excuse, j'ai pas pu vous répondre. Et oui, je suis en vacances. Bon, salut, je dois y aller. Salut, Pilou Pilou, merci de ton passage. Est-ce que si je fais SR King Taco, ça va marcher? Je pense pas, non. Allez-y, Calais, vous pouvez aller, aller rejoindre le commissaire. Ouais, y a pas de soucis. Bon, ça va, elle a pas été salie à la fourrière, c'est bon. D'accord. C'est ça. Oh, pardon.
Ça vous irrite? Ouais, moi c'est pareil, moi la tôle froissée j'aime pas trop non plus moi. Oui, il y a de la musique, mais faut le lancer. Et vous le faites très très bien, hein, Rames. Franchement, je vous félicite de votre professionnalisme. Pas parler. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, j'ai pas si. Bah apparemment ouais, je voudrais pas avoir les chevilles qui enflent, mais apparemment ouais, je fais mon boulot correctement en temps et en heure, et bon voilà, ça m'a fait sauter deux échelons à passer, donc voilà. Ah merci, c'est très gentil de vos compliments. Ouais, oh, puis ça fait, ah ouais, bah de toute façon je pense que c'est ce qui fait un petit peu près à peu près le tout. Surtout avec vous, les dépanneurs et puis les médecins. C'est que les trois métiers importants de Los Santos sont bien, comment dire, bien gérés par les bonnes personnes. Je pense que ça peut faire une belle ville. Faut que je le mette en route, Tommy. Attends, je te le mettrai en route tout à l'heure. Non, là en fait, là c'était ouais, voilà, c'était trois, il y avait un questionnaire de trois questions là. Donc, fallait, ouais. Bah, en fait, c'est comme pour le. Je pense que chaque épreuve, il y a trois exercices, on va dire. La conduite, manipulation d'armes et ensuite un questionnaire. Ouais, franchement, ouais, c'est très très bien. Et madame la commissaire, elle le fait très très bien, donc. Oh, oui, tout à fait. Je vous avouerai, je suis un peu essoufflé quand même. Hein. La course à pied là tout à l'heure, et puis le jeu de taser là. Ah, ouais, ça pèse un petit peu. C'est clair. C'est presque ça, oui. Et du coup, elle vous a fait venir pour faire quoi, Rames? D'accord, ok. Ah oui. Bon, en tout cas, le cadet, il m'en a mis deux belles, deux jolis coups là quand même. Ah, il faut bien arriver à esquiver les coups de taser. Hein. Et pourquoi je n'entends pas les autres? Ah, tu n'entends pas les autres? Ah merde. Si, tu dois l'entendre dans le jeu là normalement, non? Oui, pas de soucis, Rames, pas de soucis. D'accord, ça marche, Rames. À tout de suite. Tu n'entends pas les autres. Alors, attends. N'entends pas les autres. Là, tu aurais. Excuse-moi, Tommy. Bah, heureusement, tu me le dis, parce que tu vois. Ah, c'est con. Du coup. Alors, quel est? Ah, je vous entends pas, quelle est. Ah, attendez, il y a un petit souci. Effectivement, de vos véhicules, on fait retour au commissariat. Et comme la procédure suit, vous aurez les réponses à votre examen dans la rubrique, si je ne me trompe pas, c'est. Je sais plus, stage, je crois. Oui, tout à fait. Si vous avez la petite pastille verte, c'est que vous avez réussi. Petite pastille orange, je vous reconvoque ultérieurement pour vous reposer une question ou vous remettre en mise en situation.
Et si c'est rouge, vous avez échoué. Donc, échoué. bien sûr, ça ne joue pas sur votre licenciement, ne vous inquiétez pas. C'est juste un échelon qui va avec une prime de réussite. Ok. C'est bien noté, commissaire. Voilà. Bon, bah, vous pouvez patrouiller si vous le désirez. Ça marche, commissaire. Moi, je vais faire un petit tour à la supérette. Très bien. Vous avez remercié monsieur Montenegro pour moi? Excusez-moi, j'ai pas entendu, madame la commissaire. Est-ce que vous avez remercié monsieur Montenegro pour En fait, il revient, il est venu de partir à la supérette puisqu'il avait plus rien à grignoter. Oh, bah, je vais l'attendre là. Ah. Essayez de le contacter en lui disant que c'est terminé. Okay. Ça marche. Je sais plus, je t'ai dit, ouais, bonjour Lazare, excuse-moi, je sais plus si je te l'ai dit. Alors, Ah, vous pouvez rentrer si vous voulez, Ramel, ça vient tout juste de finir. Ah, ça vient de finir? Ouais, tout à fait, ouais. Vous lui avez dit que j'avais dû m'absenter en urgence, quand même. Ouais, je lui ai dit, y a pas de souci, et du coup, elle vous remercie de votre présence et... d'avoir assisté aux examens et être dispo au cas de besoin. D'accord, bah de toute façon je vais lui envoyer un petit mail et puis lui dire qu'il n'y a pas de souci et puis que pour la prochaine fois s'il y a besoin on est là, hein, pas de problème. Ok, ça marche vraiment, okay. Pas de problème. Bah écoutez, bonne fin de journée, à plus tard et puis voilà, bon courage pour la suite. Ouais, ça marche, merci à vous aussi Ramel, bon courage à vous et attention à vous sur la route. De même. Merci Ramez. Allez, à plus tard. À plus tard, ciao. Ciao. Oui, c'est Eternity RP. Si vous voulez vous inscrire sur le serveur, que le serveur il est whitelisté, il faut vous inscrire sur le forum, poster votre candidature sur le forum. Pour connaître l'adresse du forum, vous tapez exclamation Eternity. Comme l'orthographe à Rez et même Tommy. D'ailleurs, et ensuite pour connaître l'adresse du Discord, tapez exclamation Discord pour connaître l'adresse Discord. Voilà. Donc, je dis le serveur est en développement. Pas mal de choses qui vont venir encore par la suite. Les métiers actuels c'est mineur, pêcheur, il y a dépanneur, il y a médecin. Salut Jojo. Ma banane. Ah que je dois aller, ça c'est banane, il m'a perturbé. Comment il va ma banane? Tommy, merci pour ton follow et bienvenue à toi parmi les petits. Bonjour, quittez pas. Monsieur, bonjour, excusez-moi. Dites-moi, vous aviez pas un gilet jaune il y a quelque temps? Ouais, il y a plusieurs jours, mais maintenant je l'ai plus le gilet jaune. Le gilet jaune, c'est pour les... Ah bah c'est pas très très beau, hein. Ah, c'est mieux comme ça. Ah bah... Bon, pour être très beau, faut devenir sergent. Ah oui, c'est sûr. Bah après, c'est mérité d'un côté. Ah oui, tout à fait. Ouais, voilà, t'as tout compris, Balam. Ah, je suis désolé, je reconnais pas encore tout le monde. Surtout le croisé. La cac, qui m'énerve. Comme
vous dis, à part le dépanneur et Théo Warflum, je connais personne. Oh, vous devez connaître les sergents, sergent Cohen, sergent Khalid. Ah, je les ai. J'ai jamais pu leur parler, malheureusement. D'accord. Et justement, j'ai parlé, j'avais demandé l'accord à Madame la commissaire pour pouvoir organiser une petite soirée dans un bar du nord de la ville pour dire de faire rencontrer un... Et bah, elle m'a dit de faire une demande sur le site de la mairie, et puis c'est ce que je ferai, et puis voilà. Ouais, bah faut pas hésiter, même même dans les boîtes mail, hein, faut pas hésiter à laisser un message. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Je vais m'arranger pour que ça puisse se faire, cette petite soirée. Ça pourrait permettre à pas mal de gens de se rencontrer. Bien sûr, bien sûr. Tu lui as parlé? Bonjour, monsieur. Ouais, je lui... Bonjour. Monsieur McAdams. Comment allez-vous? Bah, merci, et vous? Très bien, très bien. Ouais, y a pas beaucoup beaucoup d'activités là encore aujourd'hui. Alors moi là, je vais aller procéder à la visite médicale de monsieur Rames. Ah oui, Pas c'est vrai. de problème. Ah Oui, ouais, tu je es m'en toujours le vais. premier, Je sais mon pas grand. si oh, monsieur la vous a demande parlé de... la Prends un soirée que vous baptême, mon petit organisez avec copain. mon collègue. Est-ce que ça vous intéresserait d'être un agent de sécurité de cette soirée? Bah écoutez, agent de sécurité, je sais pas trop mon rôle. Moi, je suis plutôt voilà, sergent. Mais non, mais je veux Ensuite, dire, oui, si je elle vois ce va que vous voulez bien, ce dire. que je veux dire. Oui, non, mais j'ai bien compris. Après, oui, pourquoi pas. Après, à ce moment-là, si je fais, si je suis là pour votre sécurité, je ne serai pas là pour participer à la soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous Bon, savez, après, faites comme vous on voulez. pourrait trouver un moyen pour s'arranger, hein, parce que bon, ce serait dommage que tout le monde profite d'une soirée et que bah, les Oui, agents non, de mais vous police inquiétez pas, bien entendu. ne puissent pas profiter, quoi. Oui, mais vous inquiétez pas, je serai là pour la soirée et par contre, voilà, pas une goutte d'alcool pendant mon service. Tu es Ah, vous imbattable, êtes ma vous serez banane. obligé d'être en Ouais, mais... service. Bon, ça arrangera pour que des boissons sans alcool soient proposées. Et toi, t'en as besoin, Théo, des boissons sans alcool? La fête est plus folle. Ah, moi j'aime mieux les boire, Théo. Ah. Bah, il Ah. oublie déjà de boire, donc bon. En tout cas, monsieur Orplem, il faudra penser à revoir un peu vos cordes vocales, hein, parce que moi, je vous entends pas très fort. Hein. Vous m'entendez mieux là? Ah, c'est peut-être mieux là, non? Oui, non, mais j'ai un peu mal à la gorge là, je Ah, bah viens de faut tousser. l'hôpital. Ouais, Faut la tousser gorge un comme peu ça asséchée, là, ça là. se sent. Hein. Voilà, c'est exact, c'est ça. Ah! Autant, c'était Concurrent! peut-être pas obligé, mais je suis orphelin. Mon costume là! Bon, allez, je vous laisse, je vais aller patrouiller un petit peu. D'accord, allez-y. Allez, à tout Ça à marche. l'heure. Allez, à bientôt. À À bientôt. bientôt. Allez, monsieur Ramé. Bonjour, monsieur Rames.